Les belles tomates. Belle salade. Oh. Eh bien, bonjour. On se retrouve sur la suite de farming. Alors, on va aller travailler un petit peu quand même. Alors, la dernière fois, on avait moissonné le blé. Cette fois-ci, je pense qu'on va semer un peu de colza sur le champ à côté. Allez, cours, plus vite. Voilà, tu rêvasses dans ton potager. Les heures tournent. Alors. Non, non, on va pas prendre ça. On va les semer, on est ici. Oh là là. C'est le matin, c'est dur, dur. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai la patate. Comme on peut le voir, il fait beau. Faudrait peut-être l'accrocher. Voilà. Pardon. D'abord le remplir, hein. Alors, changer de semence, je ne sais plus. C'est le haut. Voilà. Si je me trompe pas, c'est ça le colza. Hein. Comme on n'a pas beaucoup, 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 donc c'est le colza qui rapporte le plus, on va semer. Le baisser, j'ai dit. Oh là là là, c'est le matin. Et c'est parti. Non, c'est pas parti, il faut l'activer. Voilà. Comme je l'ai dit la dernière fois, ici pour l'instant je vais me concentrer sur la map d'origine. Mais je suis en train de regarder après une belle carte pour changer un peu. Doucement mais sûrement. Je vais essayer de ne pas faire une carte qui a été déjà faite. Essayer de trouver une belle petite carte. Pas trop grande, comme ça je peux m'en sortir en solo. C'est dur de retenir la ligne droite. Hein.
jeter un petit coup d'œil. C'est sur le i, voilà. C'est bien du colza, je me suis pas trompé. Je l'ai déjà dit dans le premier épisode. Je fais une partie sans cheat argent, sans mod pour l'instant sur la map d'origine. Sur la deuxième map d'origine, peut-être que j'installerai des mods. Mais en attendant, je cherche une carte. Je cherche aussi des bons modes. Un petit peu à la fois, il faut du temps. Mais ouais. J'essaye de faire la partie vraiment sans triche. Je vais passer le petit moment. On va pas gaspiller de l'espace. J'ai toujours pas bien réglé mon volant, évidemment. C'est pas la même chose que TS. À chaque fois, il faut y penser. C'est ton truc là.
En tout cas, j'espère que c'est vous, que chez vous, il ne fait pas trop froid. Parce que ici en Belgique, pour l'instant, il fait pas très chaud. Il fait meilleur dans le jeu. Il faut qu'il règle de travers. Alors je ne sais pas si mon idée est de faire une partie non cheatée, partie sans triche, prendre le temps de faire, de gagner progressivement de l'argent, si c'est une bonne idée, ça, il y a toujours les commentaires, hein, vous pouvez me laisser les commentaires pour me le dire, si c'est vraiment une bonne idée ou si c'est complètement stupide, mais moi bon, j'estime qu'un agriculteur quand il commence, il n'a pas beaucoup d'argent, il doit se démerder avec ce qu'il a, on peut faire crédit aussi, mais bon, crédit, faut quand même travailler dur pour le rembourser. Alors je préfère prendre mon temps, y aller progressivement. Encore bien l'habitude au volant, ça viendra. Avant je jouais avec la manette, je crois que je l'ai déjà dit. Il faudrait que je me décide à régler l'intensité. Parce que je tourne et il ne tourne pas encore. Alors... Mais enfin, je me démerde pas trop mal quand même. Il part à droite. Une ligne.
Je dis souvent, c'est pas bien de rouler sur les cultures. Quand on pulvérise, pardon, faut quand même passer dessus. Je me demande si les contours en herbe ici, c'est comme dans le premier, si on doit les couper pour les bêtes aussi. Si quelqu'un le sait, il peut me répondre dans les commentaires. Sinon, j'essaierai mon âme la prochaine fois. Pour ça, on aura peut-être assez pour finir le champ, j'espère.
Je sais que je parle pas beaucoup, mais bon, je ne suis pas bavard en temps normal, non? Quand on est tout seul, on sait jamais quoi dire. Ça viendra peut-être avec le temps. Je connais d'autres youtubeurs qui n'étaient pas bavards au début, qui maintenant sont des moulins à parole. Donc voilà. Pour ma part, j'essaie de faire un maximum quelque chose de bonne qualité. Les vidéos en 1080 toujours. J'essaie de diversifier un peu les jeux. J'ai du farming, du ETS, des jeux d'aventure. D'autres jeux vont venir plus tard. Des jeux de voiture. Enfin, c'est tout ce que j'aime. C'est d'abord pour mon plaisir à moi. En même temps, je partage en espérant que ça vous plaise. Je sais qu'on ne peut pas contenter tout le monde, donc. Il y en a toujours à qui ça ne me plaira pas, mais bon. Et voilà, c'est pas très joli, mais ce n'est pas grave. La principale, c'est que ce soit semé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des portes qui s'ouvrent ou... Ça aurait pu être un peu plus haut, on aurait pu mettre des choses derrière. Parce que genre, j'ai remarqué sur cette carte, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour stocker nos véhicules et tout ça. J'ai eu peur d'en mettre. Comme toujours, il n'y a pas d'endroit pour stocker les bottes. Alors j'en ai pas vu. Comme ça, il sera prêt pour la prochaine fois. Voilà. Ouais, il n'y a pas encore trop sale. Regardez qu'est-ce qu'on peut. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aller vendre? Le blé, c'est pas le moment, il est en descente. Cobot de bois, j'en ai pas.
Alors, le colza, bureau d'exploitation. Pardon. Société de logistique 2300. Ah ben on va aller là alors. D'abord regarder où c'est. C'est au-dessus à droite, d'accord. Allons-y. Prestige Hurliman. Sélectionner, colza, démarrer. Pas mal la texture quand même. C'est quand même mieux qu'avant. Hein. C'est surtout les effets qui sont bien. Bon, on est parti. Prends ton temps, sais-tu? Désolé. Il s'accroche, hein. Quelques lags, je ne sais pas pourquoi. Sur le garage peut-être. Regardez si je suis au bon endroit. Société logistique, c'est bien ça. Terrible.
ça monte, hein.